Bonjour, je suis Jean-Claude Leroy, rédacteur en chef de Maurice Info. Avec mon expérience de 20 ans, j'ai couvert peut-être 6 élections générales. Je vais ajouter les municipales, villageoises. Ça m'a donné l'occasion de voir un petit peu plus le côté légal. Parce que moi, j'étais plus dans l'action, conférence de presse, meeting, présentation candidat, résultat, counting, opération casse-boîte. Là, ça m'a... J'ai vu comment c'est fait dans l'organisation. C'est pourquoi je me suis inscrit à ce cours de la COI. Donc, j'avais pas beaucoup d'attentes, mais ce que j'ai appris a dépassé mon attente. Donc, je pensais, bon, tu connais la loi, tu connais ceci, tu connais la Constitution, on sait bien faire ça. Mais en fin de compte, j'ai vu que ma connaissance était adéquate, je veux dire, mais... Ça m'a permis de voir un peu comment la commission, les contraintes de la commission électorale. C'est facile de dire, oui, manque du municipal, manque personne pas là, partiennent à ci, partiennent à ça, mais on rote à l'été. Il y a beaucoup de contraintes que la commission électorale a. Il y a beaucoup d'acquis. Disons, l'acquis sur le plan personnel, donc ça m'a permis de remettre un peu d'eau dans ces 20 ans d'expérience. Deuxième acquis, c'est... mieux connaître le système, le processus électoral. Le système, on le connaît, mais le processus que je vais essayer de montrer au public, que c'est facile de ne pas écouter les hommes politiques parce qu'ils disent certaines choses alors que la réalité légale, c'est autre chose. Et le dernier acquis, c'est l'expérience. L'expérience de se donner, de venir un petit peu to the square et dire la vérité, donner la vérité et faire voir la vérité aussi. Comment ça se passe dans une élection, depuis writ of election jusqu'à opération casse-boîte et résultat, ainsi que nomination des éventuels best losers, comme on dit. Bon, peut-être pour la prochaine élection, ça va être un peu difficile parce que ça va être un petit peu brouillé, un peu, ça, mais peut-être l'élection de 2029, j'espère être toujours là. Pour mettre en partie, parce qu'on est très, très près d'une élection, c'est très, très difficile de changer, parce qu'on a déjà la routine, on ne fait qu'attendre, mais possible que dans les semaines qui viennent un peu, un jour calme de travail, je puisse remettre en question tout ce que j'ai appris. Je dis, bon, je vais faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, alors que je faisais tout longtemps. Bon, donc, pour moi, il y aura respect et vérité. C'est la seule raison parce qu'il faut respecter les personnes qui vont nous parler, les intervenants qui vont parler, moi je vais dire ça en quelques mots, les personnes, le quidam, le public lambda comme on dit, mais aussi les officiels, de ne pas mettre en doute de ce qu'ils disent parce qu'on croit connaître. Donc après c'est dire ce que je vois et montrer ce que je vois et dire la vérité. Ça s'arrête à là. Voilà.